Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Agnès Kebon. En disant cette vidéo, tous abonnez, cliquez, abonnez pour activer la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. En disant cette vidéo, toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons, si vous voulez faire des dons tout simplement. Toutes les informations se trouvent en dessous. Vous pouvez faire des dons par Western Union et par PayPal. Ce sont les deux éléments, deux moyens qui sont disponibles en ce moment. Waouh! Mes frères et sœurs, et si nous vous posons la question de savoir quel est l'élément, quelle est la chose qui est très importante pour quelqu'un, pour l'homme, pour tous les humains, pour tous les hommes, pour tous les humains, mes frères et sœurs, dites-le-moi aujourd'hui. Quelle est cette chose-là qui est même importante pour tous les chrétiens, indispensable? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est pas un chrétien. Comment tu fais? Un chrétien qui ne parle pas à Dieu, parce que la prière c'est ça, parler à Dieu. Et dans la prière, il y a plusieurs types de prières. Et dans la prière, là, Dieu vous protège. C'est-à-dire c'est un moyen pour Dieu d'entrer en contact avec vous, avec votre esprit, avec votre âme, afin de débloquer tout ce qui est bloqué autour de vous. Et Dieu lui-même, il fait son travail. Ah, la prière, c'est donc important. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ont baissé dans la vie de prière? Beaucoup de personnes ne prient plus, et certains même se plaignent de la prière. Certains disent que j'ai prié beaucoup, j'ai prié, je ne vois rien. Mon frère, si tu as percé dans la vie des prières, si tu dis tu pries, tu ne vois rien, ce message est pour toi. Sois prêt! Let's go! Yes, reborn. Hey! Mes frères et sœurs, prier c'est quoi? C'est parler à Dieu. Quand vous priez, vous parlez à Dieu, vous demandez à Dieu de... Tout ce que vous voulez quoi, vous parlez à Dieu, c'est normal. C'est comme si vous parliez à quelqu'un qui est de très important pour vous. Est-ce que vous voyez? Et c'est Dieu lui-même. Et nous devons vous dire que quand nous prions, Dieu nous écoute. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand ils prient, Dieu ne les écoute pas. Dieu nous écoute. Quand tu pries, Dieu il t'écoute. Il entend ce que tu dis. Il entend tout dans le moindre détail. Il veut que tu lui demandes certaines choses aussi. Parce qu'il pense que c'est indispensable. Ah! Ça veut dire que Dieu, il aime la prière. Et il aime ceux qui cherchent à entrer en contact avec lui. Ça veut dire que tout le monde, tous les jours, nous devons tous ensemble prier. Même, on peut même former 1, 2, 3 personnes dans la prière. Frères et sœurs, pour prier tout simplement. Ah, c'est important, d'une grandeur inestimable. Et dans la prière, Dieu débloque les situations. Dans la prière, Dieu ouvre des portes. Dans la prière, Dieu révèle des choses cachées à ses enfants. Pendant que vous êtes en train de prier, les yeux fermés là, Dieu peut vous montrer une vision, peut vous révéler des choses extraordinaires. Même tout ce qui ne va pas dans votre vie, tous ceux qui sont même vos ennemis. Ah, soyez prêts, mes frères et sœurs. Soyez prêts. Nous allons prendre plusieurs cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que ils prient, ils ne voient rien. Mon frère, tu as envie. Si tu as envie, c'est que tu vois quelque chose déjà. Dieu est là, il te protège. Tu ne sais pas combien d'ennemis sont derrière toi. Ils cherchent à t'éliminer. Mais par ta prière, Dieu, lui, il te protège. Ah, ça veut dire que tu dois continuer à prier. Mon frère, prie seulement. Prie. Ne cesse pas de prier. Parce que c'est ça ta nourriture. Maintenant, toi qui ne prie même pas, qui a baissé même dans la vie de prier, ça veut dire quand tu veux prier là, tu te sens faible. Attention! C'est le diable qui fait ça. Parce qu'il cherche à t'éloigner de Dieu afin de te tuer. Ça veut dire que quand on prie, on se rapproche de Dieu. Quand on cesse de prier, on s'éloigne de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est ça même la règle.
Ça veut dire que le diable, lui, il déteste tous ceux qui prient. Ah, la prière, là, c'est une puissance redoutable. C'est une force redoutable. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. Quelque chose de vraiment grand. Et ce sont les sorciers, les satanistes, qui savent clairement la puissance de la prière. C'est pourquoi ils combattent généralement ceux qui prient beaucoup. Ah, tu vas voir dans la famille, là. Toi qui priais pas là, dès que tu vas commencer à prier net là, le diable va susciter des ennemis dans la famille. Tu vas se mettre à te combattre. Tu vas voir que tu auras beaucoup de problèmes à la maison parce que tu pries. Tu penses que c'est quoi? C'est parce qu'il y a une force dans la prière et ça gêne le diable et ses démons. Tu vas voir que quand tu vas commencer à prier là, le diable peut placer son agent là pour te faire du bruit autour de toi pour essayer de créer la peur. Mais n'aie pas peur. Fais tout sauf avoir peur. Pendant que tu pries, Dieu lui-même va t'aider. Le diable, un jour, a réuni ses enfants. C'est-à-dire les satanistes. Et au cours de cette réunion-là, il a parlé de la prière. Il a dit que la prière qui est là, c'est d'une importance capitale. Et lui, il ne veut pas voir les gens prier. Parce que quand il prie, là, Dieu a miséricorde. C'est-à-dire Dieu le pardonne. Dieu pardonne facilement et il les délivre facilement. Après cela, il a dit que ça les met en contact avec Dieu. Donc lui, il doit briser ce lien-là en les empêchant de prier. En quoi faisant aussi, vous allez le comprendre, en inventant de belles choses comme des feuilletons, comme des divertissements, toutes sortes de divertissements, même en les maintenant au boulot, c'est-à-dire en les épuisant au travail, de sorte que quand ils vont quitter leur travail, ils ne puissent pas avoir la force de prier. Quoi? Quoi? Tout c'est le diable lui-même qui est en train de mettre sur place ce plan-là. Contre qui? Les humains qui prient. Parce que vous priez simplement, ça veut dire qu'il y a une force, une puissance dans la prière. Comment il faut prier, c'est simple. Rentre dans ta chambre. Tu me fermes les yeux, dis Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à prier. Voilà, ça c'est pour les débutants. Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à prier. Pour ceux qui ont grandi dans la prière, là, faites des prières fortes de combat. Si vous voyez qu'autour de vous, vous vous apprêtez à prier, à chaque fois que vous vous apprêtez à prier, vous commencez à être lourd. Ouvrez la bouche et priez. Et avant de prier, là, chantez. C'est une force phénoménale. Une puissance phénoménale. Et ceux qui prient, là, ils savent ça. Pourquoi quand tu finis de prier, tu te sens bien comme ça? Le diable peut venir après la prière. Le diable, il peut venir après la prière pour essayer de te perturber dans tes mouvements. Vous voyez que dans le désert, là, après 40 jours de jeûne, on peut même dire que après 40 jours de prière, Satan est venu auprès de Jésus-Christ. Après la prière, mais il peut même venir auprès de toi pour te combattre. Parce que quand il sait que quand tu as fini de prier là, tu n'es plus la même personne. Il sait que celui qui prie là, quand il quitte la prière, finit la prière, il n'est plus la même personne. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il va créer toutes sortes de combats. Il va créer toutes sortes de trucs d'ennui contre qui? Les vrais enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est exactement ça. Ah, mes frères et sœurs, nous sommes en train de vous dire ici que si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, c'est le temps d'accepter Jésus-Christ maintenant. Si vous ne savez pas prier, ou vous ne voulez pas prier là, priez aujourd'hui. Si vous ne voulez plus prier parce que vous vous dites qu'il n'y a rien, faites attention. C'est le diable qui met ça dans votre esprit pour vous convaincre que vous êtes une mauvaise, que votre prière n'a pas d'effet. C'est faux. Ta prière là, la prière du juste. Si tu es juste, il faut savoir que ta prière a une efficacité. Dieu t'écoute. Et puis, si tu vois qu'à un moment donné, tu as baissé dans la vie de prière, là, c'est le moment de te lever dans la prière. C'est ce que nous sommes en train de dire. Pour dire à vous qui nous regardez, à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui négligent la prière, la puissance de la prière, faites attention, c'est le diable qui fait ça pour essayer de vous éloigner de la face de Dieu.
Comment vas-tu t'approcher de la face de Dieu si tu ne pries pas? C'est le moment de te lever dans la prière et de te mettre simplement à prier. Prions ensemble. Dis, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de prier et d'avancer avec toi. Amen. C'est tout. Est-ce que c'était dur? C'était simple. Mais il y a certaines périodes où tu dois monter en prière intense, en forte prière. Tu dois durer même dans la prière. Et tu verras que quand tu seras en train de prier là, ta force va revenir. Que Dieu réveille la force de la prière en vous. Tous ceux qui ont faibli dans la prière, tous ceux qui ont abandonné le chemin de Dieu, qui ont arrêté de prier, que Dieu vous redonne la force aujourd'hui. La force de prier aujourd'hui. Ferme les yeux avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de la prière. Donne-moi la force dans la prière et la puissance dans la prière. Maintenant, je vais vous donner un secret. Quand vous allez prier là, quand vous devez prier, si vous devez prier par exemple dans 2 heures du temps, ne mangez pas 30 minutes avant. Ça, c'est un secret, hein? Si vous devez faire une forte prière, ne mangez pas 30 minutes avant. Sinon, vous serez lourd. Et si vous êtes lourd, vous ne pourrez pas prier comme ce doit. Autrement dit, quand vous serez lourd, là, l'esprit qui est en vous, votre esprit ne pourra pas facilement être connecté parce que vous serez encore dans la chair, les désirs de la chair, les mauvaises pensées vont commencer à venir. Donc il faut que vous évacuez cela 2 heures du temps avant de commencer à prier. Ah! Attention mes frères et sœurs, be careful. Attention, maintenant, quand vous devez prier là, quand vous commencez même à prier, commencez déjà par vous repentir. Ne faites pas des prières sans vous repentir. Faites quelle prière tu vas faire sans te repentir? Tu demandes le pardon de tes péchés d'abord. Tu demandes le sang du Seigneur Jésus-Christ à venir sur toi, pour te purifier, c'est simple. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas parfait. Purifie-moi par ton sang. Efface mes péchés. C'est facile. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. C'est simple. Dieu lui va exaucer ta prière. En fait, c'est ce que tu dis là. C'est sur ça que Dieu va te baser pour te bénir. Exaucer ta prière. Maintenant, si tu ne dis pas de bonnes choses, tu passes autant à prier pour maudire les gens. Ça aussi, attention. Quand on fait des prières, on ne fait pas des prières pour attaquer les humains. Ton frère t'a fait du mal, tu l'attaques. Non. On attaque les démons, les mauvais esprits. Tu attaques, tu pries contre Satan. Toutes ces choses sont à savoir quand on peut grandir dans la prière. Et dans la prière, on grandit. On grandit. On doit observer des moments uniques, des moments bien réservés pour la prière. C'est-à-dire que si tu pries 1 heure du temps chaque jour, ou même bon, si tu pries 5 minutes chaque jour, à un moment donné de la journée, là, toi, tu dois te mettre à prier plus que ça. Ou bien à un jour du mois, tu choisis un jour dans le mois où tu vas prier plus que 5 minutes. Je te conseille même de prier beaucoup. Si tu vois que tu es attaqué, tu vois qu'il y a beaucoup de blocages dans ta vie là, les sorciers ne sont pas loin, le diable lui-même n'est pas loin, il faut prier pendant longtemps. Et quand tu finis de prier, évite la masturbation. Il faut que nous vous disions la vérité, parce que voici ce qui met frein à la prière dans la vie de l'homme. Voici ce qui met frein à la prière dans votre vie. La masturbation, le péché, la convoitise. Toutes ces histoires de choses du monde, ça empêche votre esprit de prospérer dans la prière. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Ceci est la première partie. Waouh, soyez prêts. Merci également à tous ceux qui ont fait des dons et tous ceux qui feront des dons pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ seul doit être votre sauveur, seul doit être votre défenseur jusqu'à la fin des temps. Lui seul sera votre Dieu. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Jésus revient. À bientôt. Abonnez-vous à de ces vidéos si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche, ne pas manquer tout ce que nous avons prochain. Je vous bénisse. Amen.